Depuis 20 ans, Mitsubishi Motors. Salut dans mon live. Fait que je vous laisse arriver. Je vous laisse arriver. Je vais vous parler de manifestation, de ma routine, comment manifester l'abondance financière. Your daddy had a lake house, he had me painted that summer sophomore year. Salut Mike, salut Alexandre. Comment ça va? Que... Comment c'est ça les lives dimanche? Te parler un peu de mon univers, te parler un peu de ton univers intérieur et comment manifester l'abondance financière par son univers intérieur, par le jeu, par par la routine aussi, comment harmoniser, alchimiser ton monde intérieur, puis enfin une harmonie dans ton monde physique. Moi, ça commence beaucoup par mon imagination. Ça commence beaucoup en plongeant dans mon monde intérieur, en le purifiant, en voyant qu'est-ce qui se passe. Salut Chantal. La chaleur sortir. Que, hier, j'ai passé une super belle journée, on a fait un feu et tout. Juste pour te dire que dans les derniers temps, j'ai fait un switch de vie vraiment extraordinaire. Je suis un peu fatiguée de ça parce que c'est vraiment un gros saut quantique que j'ai fait. Je suis passée d'une roulotte à une belle maison avec une vue de malade sur les montagnes et le fleuve dans ma région, où il y a des aigles, des faucons, tellement que la nature est pure. J'ai un beau salon en bois rond. Pour moi, c'est important, des beaux lieux, parce que je suis balance, puis ça m'inspire vraiment beaucoup, la beauté. Et j'ai toujours voulu avoir des belles maisons dans la vie. Et souvent, ben, j'arrivais pas. Parce que j'avais des croyances limitantes par rapport à l'argent, que c'était juste les riches qui pouvaient avoir ça et tout. Et l'année dernière, je suis passée, j'étais en roulotte parce qu'on voulait économiser pour les études et tout, mais j'ai comme frappé un mur dans le sens que j'étais vraiment pas confortable et je pouvais pas plus manifester parce que j'étais comme dans un état de frustration intense par rapport au fait que c'est pas beau, au fait que c'est trash, même si je me mindset, pour moi, mon environnement est le reflet de mon monde intérieur, puis quand c'est beau, mais ça m'inspire, puis ça
inspire mon intérieur, puis mon intérieur inspire la beauté. Fait que comment que j'ai fait pour manifester ça? Première étape, j'ai commencé ma routine matinale, mais pas une routine matinale qu'on impose ou que les coachs imposent ou que j'ai suivi le programme. Oui, j'ai pris leur truc, j'ai fait du journaling, mais j'écrivais dans mon livre à ma façon, les mots à ma façon. Qu'est-ce qui m'a aussi énormément aidé que j'ai fait dans les 3 derniers mois, qui a fait en sorte que j'ai fait le saut quantique, c'est d'écrire une liste de mes croyances, puis une liste des nouveaux codes. Puis après ça, d'avoir écrit la liste de la croyance à chaque jour, là, des croyances qui ressortent, ben, c'est faire une séance de libération émotionnelle dessus et d'aller voir aussi dans mon monde intérieur avec ma méthode de portail, qu'est-ce qui vit là. Et ensuite, de déclarer mes nouveaux codes et réciter les affirmations, mais pas de façon matinale. Réciter les affirmations comme si je le vivais, comme si j'étais l'actrice. Je cherchais la part de moi qui vit, parce que dans nous, on est comme un diamant multifacette, puis on a tous les archétypes, on a toutes les émotions. C'est juste d'aller la chercher pour transformer ta vie à la façon que tu veux, à qu'est-ce que tu veux. Et moi, je me suis rendu compte, c'est beaucoup mes désirs que j'ai réussi à manifester, un truc pas concret comme avoir l'abondance financière. Parce que avoir l'abondance financière, je ne vois pas ça. Souvent, on ne réussit pas à manifester ça parce qu'on le voit pas. Mais on peut voir, je vais te donner un truc vraiment drôle. Souvent, j'arrive pas à manifester l'argent parce que je focusais sur le thème de l'abondance financière et c'était très vague pour moi. Mais tu sais, j'avais une grande facilité à manifester des objets comme une machine à jus ou un billet pour un événement puis que quelqu'un me le donne, ou des choses gratuitement, où j'étais gagnante des concours, ou je manifestais énormément des affaires comme ça. Et quand j'étais entre les deux, entre ma roulotte et la maison, j'étais comme dans un espace de vide, ok? J'étais comme dans la voiture en train d'attendre si ça se produisait ou pas. C'était vraiment, j'ai comme sauté dans le vide, un moment de grand lâcher prise et de confiance. Et vraiment, là, j'ai comme réussi comme à contrôler mon mind, mon mindset, puis d'être dans un état mental, être, si ça se passe, c'est correct, si ça se passe pas, puis que j'échoue, c'est correct quand même. Vraiment comme être dans cet état d'esprit-là en tout temps. Puis pendant ce moment-là, j'avais mangé comme... J'étais vraiment comme en mode survie pour vraiment faire le saut quantique d'être dans la maison. Parce que je voulais pas payer une autre semaine de camping. Ça me tentait pas. Puis je me suis rappelé que pour moi, manifester, il faut que je manifeste des choses concrètes. Alors, ça faisait comme 2-3 jours qu'on avait mangé des ramen puis des cannes, puis je voulais une pizza. Je voulais vraiment une pizza, puis je me suis rappelé de ma valeur que, en tant que coach, que je peux servir les gens, et j'ai manifesté un 30$ pour cette pizza-là. Puis ensuite, j'ai manifesté d'autres clients pour d'autres pizzas. Puis je me suis dit que souvent, nos objectifs sont trop vagues comme abondance financière, tu ne le vois pas. Fait que comment tu peux manifester ton désir qui vient de ton corps? Comme l'envie de manger, c'est un désir viscéral qui vient du corps. Si vous êtes un peu foudu comme moi, l'envie de manger vient du corps. Peu importe qu'est-ce que vous aimez manger, ou pizza ou pas, c'est, ça vient de ton corps, ça vient de ton désir primaire, puis le truc que j'ai trouvé, c'est toujours me plugger sur des envies, toujours les avoir, puis j'ai toujours l'argent pour. Puis l'argent se manifeste comme ça. Fait que trouver des véritables désirs, comme faire une liste aussi de
tes désirs que tu veux manifester, comme vraiment des, comme être entouré de beauté. Moi, c'est très, très important d'être entouré de beauté, de voir des aigles, d'être inspiré, de me connecter à la terre-mère, d'avoir un beau jardin, de me sentir en sécurité. Mais ici et maintenant, comment tu peux voir de la beauté chez toi et comment tu peux te sentir en sécurité chez toi? De quelle façon tu peux faire ça? De quelle façon tu peux te sentir en sécurité chez toi, puis dans quelle façon tu peux te sentir en sécurité? Moi, c'est souvent en allant dehors, me connectant les pieds nus dans la terre, je me sens en sécurité, portée par la terre. Prendre des bains. Comment je pourrais me sentir légitime de faire que ce que je fais? Parce que si je m'identifie à mon autre identité, que plugger avec mes blessures et tout, pas grand chose qui sort de ça. Mais je suis tellement un être plus illimité de qu'est-ce qu'on me raconte ou qu'est-ce que je me suis rencontré autant longtemps. Je suis vraiment plus illimité que ça. Fait écrire une liste, pour moi, une liste de tous mes accomplissements que j'ai réussi au haut de la main de vivre un exil, de passer par le stress de ça. J'ai réussi à traverser une dépression quand j'étais plus jeune. J'ai réussi à faire être dans une troupe de théâtre professionnelle. J'ai réussi mes cours de coaching. J'ai réussi à créer ma propre méthode. Toutes ces choses-là qui me rendent légitime. Souvent, une des blessures en tant que coach qui commence, on ne se sent pas légitime de faire ce qu'on fait. On s'identifie à la nous d'avant qui est plugée à nos blessures. Mais quand on se plug à notre âme, à notre essence, on est tellement plus puissant que ça. Il faut aussi changer l'identité profonde parce que ton code. Moi, je vois ça comme ton code mère, là, un peu comme Sim. Si vous êtes gamer, vous jouez aux jeux vidéo, Sim, c'est comme le bonhomme qui joue sur leur fin de vie virtuelle et tout. Et c'est comme si leur code, le code mère de l'autre, c'est en sorte qu'il y a tout le temps de l'argent, qu'il y a tout le temps de l'abondance, qu'ils sont toujours en sécurité et tout. Et peut-être ce Sim-là, que t'incarnes, ben, a pas ce code-là d'abondance. Puis, il est plugué comme à ses anciennes croyances puis à ses peurs. Fait qu'il est comme plugué à une version de soi qui est pas originelle à la source, à son âme. Fait que dans le fond, c'est juste comme voir les fils, les couper, puis te plugger à ton âme réellement. Puis, moi, je t'ai fait vivre des voyages comme ça. Pour vraiment changer la dimension énergétique et la dimension aussi symbolique de ton âme, de ton monde intérieur, parce que nous fonctionnons avec des symboles, c'est le langage le plus fort et rien de mieux que les histoires, rien de mieux que la méditation, rien de mieux que en groupe, avec l'interaction avec les autres, on est tellement puissant en groupe. Je fais souvent ces méditations en groupe-là interactif, puis c'est combien au puissant. Ok. Manifester l'abondance financière, c'est pas une routine. Se plugger à ses véritables désirs pour manifester. Être comme dans un état d'esprit de point zéro. Comme lâcher prise et de stratégie. D'action, comme tu rentres dans le jeu, tu rentres dans ta quête sacrée, puis de lâcher prise, de peu importe ce qui se passe, tu vas être content. Tu vas jouer avec ce qui est là. Et tu vas prendre les risques. Comme moi, passer une semaine dans mon auto avec mes enfants pour faire le saut, c'était un fucking gros risque. Je me sentais pas en sécurité. Mais j'ai plongé dedans.
Parce que c'est quand on fait des risques comme ça, puis qu'on fait confiance en tout notre cœur, que les choses se manifestent. Tu peux pas aller peut-être aussi extrême que moi. Parce que moi, j'ai dû apprendre. J'ai dû me pousser un peu parce que j'avais des croyances limitantes sur ma validité, justement. Puis je peux justement t'aider là-dedans si tu te sens pas valide. Parce que je suis passée par là. Mais manifester, c'est un jeu. C'est rentrer dans ta propre légende, dans ta propre quête personnelle, dans ta propre aventure. Puis j'aime ça appeler ce que je coach mes aventurières du sacré. Parce que même si elles ont des peurs, elles font confiance pour sauter, plonger dans leur magie. Puis je crois que c'est comme ça qu'on manifeste l'abondance financière, parce que ça commence pour moi, parce que je me suis respectée. Puis aussi, un autre point, c'est apprendre à s'éloigner des gens négatifs. Ça peut être dur si t'es une personne qui aime ça faire plaisir aux gens, t'es une plusieurs people. Ça peut vraiment être dur de comme ça, mais qu'est-ce qui m'a fait rendre compte, c'est que quand j'étais dans la semaine entre la maison et la roulotte, j'étais dans la voiture, puis que je pensais que j'allais peut-être rester tous les jours, toujours dans la rue, dans la voiture, que je me disais que peut-être que je mérite pas ça, une maison, je mérite pas ça, la beauté. Je me suis dit, wow, Jade, est-ce que tu vas te sacrifier ta qualité de vie pour que d'autres aient du succès, pour que d'autres soient heureux que tu sketches ta vie, que tu... Non, tu n'es pas Jésus, tu n'as pas à te sacrifier pour que tout le monde soit heureuse. Puis là, je me suis rendu compte de ce blessure-là, j'étais comme, ben ouais, Chris... Moi aussi, je mérite de vivre dans la beauté. Moi aussi, je mérite ça, tu sais. Ça a vraiment comme été un wake-up call, dans le sens que, wow! Tu sais, j'ai pas à vivre misérable pour que d'autres aient du succès ou d'autres soient heureuses ou d'autres qui pensent que je mérite pas se sentent mieux. Non. Fuck you, bitch. J'ai pris mon petit côté bad bitch, puis j'ai fait comme non, je mérite d'avoir une maison, je mérite la beauté, je mérite de faire de l'argent. Puis je vous compte ça pour pas que vous alliez à vous rendre à ce point-là, puis vraiment vous wake up call dans le confort. Mais des fois, la vie nous emmène jusqu'à là pour se rendre compte qu'on n'a plus à se sacrifier, puis qu'on a à mettre nos limites avec les autres, qui peut être négatif, qui peut vous emmener dans des patterns ou qui sont jaloux consciemment ou inconsciemment, si vous protégez. Faire une protection énergétique et une protection aussi physique, dans le sens de prendre des limites de temps avec ces personnes-là, si c'est nécessaire de les appeler, ou ne pas les appeler pantou. Fait que c'est ça que je veux dire aussi. Fait que manifester l'abondance financière, c'est créer une harmonie dans sa vie. La routine, ton monde intérieur, mettre ses limites, jouer avec la vie. Et avoir de la patience en toi et rentrer dans le jeu, rentrer dans ton aventure épique. Pour vrai. Puis aussi, équilibrer. Équilibrer dans le sens que si tu forces trop, si tu fais trop de livres de développement personnel, tu vas comme tourner en rond un peu. Parce que ça prend de lâcher prise.
Fait qu'il faut vraiment comme passer du temps aussi, juste se donner un break et faire des choses qui te plaisent. Pas pour avoir la richesse, mais faire des choses juste qui te plaisent. Écouter une vidéo YouTube, écouter un Netflix. Vraiment, même si c'est des choses qui ne sont pas identifiées à être spirituel ou à être développement personnel. Juste faire ces choses-là. Parce que ça va te mettre dans un état de lâcher prise. Et les miracles vont arriver. Fait que c'est ma première vidéo du dimanche. Je vais te laisser là. Si tu veux me contacter pour faire un voyage, je suis là. Mercredi à la pleine lune, je fais un voyage chamanique au cœur de Gaïa. On va vraiment faire des quêtes de manifestation. On va jouer là-dedans. Fait que c'est seulement 30$. Je l'offre si tu veux me découvrir et tout. Ça va être super magique. Et on se revoit mercredi. Puis peut-être dans mes lives surprises sur ma page. Sur mon compte, je veux dire.